Bien-aimés, soeurs et frères, chers amis, amis de la prière, amis de l'étude de la parole du Seigneur Jésus, c'est avec une immense joie que nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth, le pourvoyeur de tous les biens, notre seul refuge, notre seul secours, notre seul appui. Nous sommes, bien-aimés, soeurs et frères, à une heure extrêmement solennelle. Midi, c'est l'heure de la prière. Une heure au cours de laquelle de mauvais esprits se manifestent pour invoquer des dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne créent pas, qui n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, aucune domination. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu et qui observons ses commandements, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. En ce midi, nous sommes à ses pieds. Oui, c'est dans le pied Jésus qui gagne un secours. Dans le pied Jésus gagne une consolation. Dans le pied Jésus gagne la paix. Dans le pied Jésus gagne guérison. Dans le pied Jésus gagne victoire. Dans le pied Jésus gagne délivrance. Et dans le pied Jésus, c'est le vrai bonheur. Oui, amis de partout, quel que soit côté ou branché, votre serviteur, votre frère, pasteur Bénel Antoine, vous demande d'observer un arrêt de travail pour prier le Seigneur, pour rechercher la face de Jésus, pour implorer son secours et pour lui dire merci pour toutes ses grâces, pour tous ses bienfaits, pour toutes ces merveilles envers nous. Oh, en ce midi, bien-aimés, soeurs et frères, nous vous invitons à chanter avec nous au numéro 44 des hymnes et louanges. Oh Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait ton pauvre enfant? Après avoir exécuté ce chant, nous allons partager ensemble un texte trouvé dans Jean 16, le verset 24. Nous demandons à la chanteuse d'aujourd'hui de bien vouloir exécuter pour nous le cantique 44 des hymnes et louanges. Oui, bien-aimés, soeurs et frères, en ce midi, alors que nous toutes nous rassemblons pour prier l'Éternel, le titre de notre courte méditation est le suivant. Une prière sans demande. Une prière sans demande. Peut-être c'est étonnant. Certains diraient, que va dire pasteur Linel à travers ce titre? Une prière sans demande. Est-ce qu'on peut prier sans rien demander? Dans Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 12, il est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oui, c'est mon Dieu qui dit, celui qui est riche, Dieu est lui-même la richesse. Il possède tout l'univers entier, appartient à Dieu, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est mon Dieu qui dit oui, mandez et vous va barou. Cherchez, vous va joindre, frappez, vous va l'ouvrir pour vous. Mais la bonne question à poser, est-ce que moun pour nous mander, c'est lui-même que nous mander? Est-ce que ça pour nous chercher, c'est lui-même nous chercher? Est-ce que côté pour nous frapper, c'est là nous frapper? Qui est-ce nous mander? Parfois c'est madame, c'est mari, nous fait confiance. C'est bons amis que nous fait confiance, bien-aimés, soeurs et frères, vous qui m'écoutez en ce midi. Dans Jérémie 17, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Pas fait madame confiance.
Ou quand on vivre ensemble avec vous, faites une petite confiance, mais confiance à 100%, c'est Jésus pour faire, c'est la Bible qui dit, maudit soit l'homme qui, parfois nous mettons espoir dans ce monde comme seul sauveur, non, ça qui mette confiance dans un président, dans un candidat au Sénat, un candidat à la députation, un candidat pour un mairie, à un tel depuis le monté, tout bon, c'est vrai, en même. Par nature, les hommes sont menteurs, les hommes sont bluffeurs. Les apmènes campagne, n'a pour eux tous les jours. Et puis, au fini, élus, nous parlons côté au passé. Et parfois, les hommes font promesses, mais ce sont des promesses mensongères. Ils n'ont pas jamais réalisé. Mais Jésus lui-même, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. En pile amis sous terre, c'est hypocrite, c'est très dioyé. Yo ka montre aujourd'hui, ya yo ensemble avec ou. Pourtant, c'est pas vrai. Des amis, c'est les sabon. Les wap mené, l'on des moyens, ka longe mes bayo. C'est les sa yo songe sou la. Depuis kozo, pas bon, pas proyon. Pas oublier l'histoire de l'enfant prodigue. Te ramasse bien papa la. La bambouche, tout zami avec les lap gaspillé. Quand bien au fini, il va recouter un zami passé. Oh bien-aimés, soeurs et frères, en pile amis, c'est hypocrite sur terre. En pile amis, c'est traite que yo yé. Mais notre Dieu, Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, l'a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est Jésus sa vidéo. Si vous frappez, la prouvez pour vous. Est-ce que vous frappez à la bonne porte? Est-ce que vous pas trompé d'adresse, amis? Est-ce que nous prenons temps pour nous demander Jésus? Ah, allons dans le texte de ce jour-là. Le texte d'aujourd'hui, dans Jean 16, le verset 24. Jean 16, le verset 24. N'oubliez pas le titre de cette courte méditation. Une prière sans demande. On doit prier matin, midi, soir, ou pas jamais demander en rien. Parce que ou pas qu'on est qui sont besoin. Dans Jérémie 29, Jésus dit, je connais les projets que j'ai fondés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Parfois, on va demander Jésus une machine. Et puis, Jésus lui-même, il connaît qui expédition qui est en fait dehors. Depuis qu'on vole la machine, ça va faire accident, on va mourir. Parfois, on va demander Jésus, petit, des gens qui font des sacrifices énormes. Pour faire des gens sans passer par des moyens naturels que Jésus mettait. Des gens qui parfois, nous faisons des fouettes qui calent, non. Mais ce n'est pas ça que nous avons besoin. Quelqu'un qui a demandé Jésus mariage. Jésus, qu'on a besoin de mariage. C'est pour pas même mettre sous genou pour prier. C'est bon Dieu même qui te dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour faire n'importe quelle fréquentation. Et puis je dis à un deuil ou un tourment, voyez à tête en bas. Pour pas qu'à vivre avec l'autre. C'est pas choix ça, Jésus t'a fait pour. Oh, son travail ouvre là dans le par contre qui piège, il paraît pour notre travail ça. Combien complot ennemi est en fait pour retirer la vie. On va forcer pour notre travail là. On va forcer pour prendre une promotion. C'est dans Jésus mon prend promotion. Dans Jean 16, le verset 24, je vous invite à lire avec moi ce texte. Il est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et le texte continue pour dire, demandez et vous recevrez afin que ma joie soit parfaite. N'a pas demandé mon Dieu des choses matérielles. Jésus connaît bouche nous fan, il connaît nous manger pour nous manger. D'abord dans Matthieu, il dit qu'il a nous inquiété non pour la vie, donc il n'a pas mangé demain. Là, on dit pas inquiété, ça pas veut dire pour son monde qui a gassé, parfois moi vous nous plaindre trop. Nous plaindre trop. Même Jésus qui connaît bon nous manger chaque jour, la bonne nous manger. Même Jésus qu'on paye caïpou qui pour gens qui te dominent dans la rue la paye caïpou. Même Jésus qu'on bon victoire pour ennemi pas t'atteindre nous. C'est lui même qui nous que mille tombe à ton côté et 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint. Parfois ça va demander Jésus à son piège que lié pour c'est pour qu'on ait l'air à prier fort patience en même bien monde qui trop pressé pour l'air à prier. Jésus pas jamais monté cheval. Jésus monté bruit tendez. Les rois prier attendons à 3 réponses dans mes Jésus. La première réponse, Jésus dit, ma fait une intervention rapide pour parce que capon là son cavio gens. Et en ce midi, je ne sais pas pour qui est. Jésus prend faire une intervention rapide.
Un petit bon Dieu qui a un malheur qui penche sur la tête. Un ennemi qui a talonné. Un complot que vous faites contre lui. Jésus va intervenir dans l'immédiat. Jésus va descendre en personne pour le dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Un petit bon Dieu qui a une maladie qui a prolongé dans ce midi. Jésus va faire une intervention pour lui. Qui a un dossier pour Jésus débloquer aujourd'hui. Ah oui, la première réponse de Jésus à la prière, intervention rapide. La deuxième réponse, Jésus dit prends patience, font-il. Parce qu'il y a un texte qui dit faut être patient et persévérer dans la prière. Sous trop pressé, pas marche avec Jésus. Le cantique 38, 5e verset dit sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Ou même qui gon dossier qu'on mettait devant Jésus en même. Tant patient, continue de prier. Jour de délivrance ou arrivé à. Les hommes qui mettent sauter, les hommes qui mettent pomper, les hommes mettent barrière à droite, Jésus a passé à voie à gauche. Les hommes mettent barrière à gauche, Jésus a passé à voie à droite. Les hommes mettent barrière devant, Jésus a passé à voie derrière. Les hommes mettent barrière devant, Jésus a passé à voie derrière. Et si les hommes tabarrent à droite, à gauche, devant, en haut derrière, Jésus a plus fort en l'air, passe à voie, même moi et demi en parole, en mime. Les hommes qui mettent toute barricade, tout empêchement, Jésus a crasé tout pour le faire passer. Mais jusqu'à présent, dit le texte, vous n'avez rien. Demander. Suspendement de Jésus rad, suspendement de Jésus l'argent, suspendement de Jésus machine, suspendement de le caille, suspendement de mariage. Des gens qui ont jeune, sa passeport qui a le marché pour demander visa. Ça gen visa qui voyage, y a le jeune, y a le mandé résidence. Ça gen résidence, y a le mandé citizenship. Ça même pas gen côté bon Dieu vous vivre sous terre pour pas vivre. Les n'a prié Jésus. Galates 5 dit qui ça pour nous demander oui ça même. Là que font petit coup d'œil avec moi dans Galates 5 le verset 22. Est-ce que l'on a prié ces bagages ça nous demander Jésus? Oh! Mande Jésus en même en nous lit avec moi dans Galates 5 le verset 22 en nous garder pour nous qui ça pour nous demander Jésus et en ce midi prend un petit temps pour réfléchir pour ouais est-ce que c'est ça yo ou mande Jésus au verset 22 il est dit c'est pour mander bon Dieu l'amour est-ce que moi avoir nous aimer frère nous avec sœur nous qui beaucoup que nous est-ce que nous pas égoïste est-ce que madame aimer Marie Jean pour le caramel. Est-ce que Marie et Madame Jean-Paul t'a remel? Est-ce que les dirigeants d'église y ont remel l'autre? Mandez bon Dieu l'amour du prochain. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, car Dieu est amour. Moi, si m'ta gen rancune dans cœur, m'gen hypocrisie, m'gen jalousie, m'pa remen partager, c'est pour mandez bon Dieu l'amour. C'est ça ou cap conduit dans la vie éternelle. C'est la joie. Est-ce que figui pas ou pas toujours marré, nous toujours mauvais, nous fait 365 jours, nous pas jamais couleur dans nous toujours en tristesse, nous vieux grand monde. Avant l'heure, mandez bon Dieu la joie. Gemoun même l'église que yo vini, c'est comme si yo fâché avec l'Éternel des armées. C'est comme si Jésus pas fait un rien pour yo. Yo vini l'église, yo pas chanté. Y a peta venu, pas peta venu pour yo la prière. Yo bien loin, alors qu'il est dit au psaume 100, poussé vers l'Éternel des cris de joie. Dans présence Jésus, c'est pas tristesse, c'est pas chagrin, c'est pas lamentation, mais c'est la joie, la paix, le vrai bonheur. Est-ce que mandez bon Dieu la joie pour nous? En joie, chrétien faut toujours souriant. C'est pour connaître quel que soit le problème, Jésus a une solution. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compter les bienfaits de Dieu. Et a prié, mandé bon Dieu pour nous la joie, mandé bon Dieu la paix. Oh, il y a trop goumé, il y a trop chirépite. Parfois, mais mandant au sein de l'église, il y a un goumé au sein des départements. Ça vous met pour gagner tel poste, ça vous met pour gagner tel poste, dans tel travail, si vous avez ça, performé au cabaye, promotion, parfois mon n'a pas promotion, mais mon jour, le baguette en fait une promotion, vous voyez l'aller. C'est pour demander bon Dieu, en ce midi, soeurs et frères, demander bon Dieu à nous, la paix, pour nous en paix avec l'autre. Est-ce que les foyers sont en paix? Les partis politiques, les gouvernements, est-ce qu'ils sont en paix? Jésus voulait pour nous capables en paix, il y en a avec l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas d'ennemis parmi nous? C'est pour demander bon Dieu la patience.
ou bien t'as souffri en mime, rete souffri dans pied Jésus, parce que avec Jésus, c'est la délivrance. Mande bon Dieu la bonté pour nous bon envers l'autre, pour nous compatissants. Mande bon Dieu la bénignité, pas bay moun ma di fou. Si yon moun fou ça qui mal, fait ça qui bien. Si yon moun rayon ou même remèl, c'est ça la Bible dit dans Matthieu 5, 43, 48, c'est pour nous lire texte ça aux amis. Si yon moun passe sous le pas doux bonjour, même dit le bonjour. S'il voulait mal pour vous, même demandez bien pour lui. Si vous demandez, bon Dieu, la fidélité pour le fidèle dans l'observation des commandements de Dieu, fidèle dans le versement des dîmes et des offrandes. Jésus, bon, une responsabilité dans l'église, c'est pour fidèle. C'est ça, yo, pour demander là, dans la prière, bien aimés, messieurs et frères. Demandez, bon Dieu, la douceur pour son chrétien qui trouve, ou son monde qui est abordable, ou son monde qui aime parler avec lui. Parce que parole dans le bonjour, c'est parole qui procure la paix, parole qui lui conforte le monde, parole qui bat la joie de vivre. C'est pour demander, bon Dieu, la tempérance pour ne pas manger n'importe bagaille, c'est pas parce qu'on grand goût n'importe ça qui finit j'en passe le passé. Chrétien pas canan qui sont mon cap dit chien grand goût pas jouer. Salmi s'en dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Chrétien pas fait les masses pour t'y plat manger, pas le vendre à business nous, comme Esaü t'es fait les amis moins. Mande bon Dieu la faim, mande bon Dieu la joie, mande bon Dieu une foi solide qui bâtit sur le roc et non sur le sable. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. En ce midi, soyez frères, n'oubliez les biens matériels, les richesses de ce monde, les promotions. En nom de bon Dieu, le zèle missionnaire. M'en de bon Dieu, la sincérité, pour me fidèle dans tout ça, m'a fait. Pour me pas bailler mon menti, les prêter dans mes mondes pour me remettre. Les m'acheter, c'est pour me capable de payer. C'est pour me faire du bien aux autres. Et c'est là, Jésus va prendre soin de nous. Oh, bien-aimés, soeurs et frères, en ce midi, je vais vous inviter à exécuter avec nous le cant 527. Oh, Jésus, mon délivrance pour en ce midi. Jésus gagne une victoire pour en ce midi. Mais pas mander bon Dieu les choses matérielles. Pas mander bon Dieu les choses passagères. C'est passé à passer. En nous demandant bon Dieu des choses spirituelles. Ça qui conduit nous à la vie éternelle. Bien-aimés, soeurs et frères. Même l'autre bagaille paraît difficile. Restez patient dans la prière. Priez Jésus. Demandez à notre soeur qui a chanté, exécuté pour nous le cantique 527 quand le vol de la tempête. Et à ce moment-là, tout ce qui est bon. Nous devons laisser la tête pour Dieu. Et à ce moment-là, nous devons laisser la tête pour Dieu. Jusqu'à ce que nous remportions la victoire finale. Et après avoir exécuté ce chant, nous invitons tous nos amis, nous-mêmes qui abattus, qui découragés, nous-mêmes qui en tristesse, Jésus, mon victoire, mon délivrance pour nous, Jésus, mon la joie pour nous, en nous chantant 527. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions, car dans les cieux et sur la terre, toi seul es Dieu. Tu es redoutable par-dessus tous les dieux. C'est à toi qu'appartiennent tous les pouvoirs, toutes les autorités, toutes les dominations, toutes les puissances. Avant toi et après toi, il n'y a pas d'autre. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est toi qui es le bienfaiteur, notre seul refuge, notre seul appui, notre seul rocher protecteur, notre divin libérateur, notre consolateur. Et si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la tumeur du silence. Mais heureusement, c'est l'Éternel qui est Dieu. En ce midi, alors que les sacrifices sont en train d'être offerts à travers la terre entière, des mondes qui ont pris des baleines, des mondes qui ont pris des baleines, des sacrifices qui ont fait des sangs. Ouais, et nous-mêmes qui reconnaissons que papa nous est dans le ciel allié, et si je dis à nous en vie, on parle de séjour des morts, c'est parce que notre Dieu est vivant, il est campé pour nous. Oh, je me dis merci pour tout.
cercueil qu'on crase pour nous déjà. Merci pour tout tour dans ces cimetière qu'on bouche pour nous déjà. Au fait commencer à craser cercueil, au fait commencer à boucher tour dans ces cimetière. Merci pour tout ennemi qu'on fait prendre la fuite devant nous, parce qu'on dit toute âme qui forge contre le petit bon Dieu, nous va sans effet. Merci pour tout bouche qui a rabaissé nous, qui a critiqué nous, fermé pour nous déjà. N'a pas gloire, louange, honneur, exaltation, adoration, même seul pour vérité. Mais nous reconnaissons que Seigneur Jésus, si nous avons survécu, nous avons santé, nous avons mangé, nous avons rendu, nous avons côté pour nous l'été. Nous voulons ça pas assez et nous couper face qui est bas pour nous bénir Jésus. Pardonne-nous pour notre attitude, nous. Pardonne-nous pour tout pas pour nous. Pour tout ça nous fait du mal, pour le mensonge, le vol, les convoitises, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, la paresse, l'insouciance, la négligence, la jugeance, l'insouciance. Transforme-nous à ton image et à ta ressemblance et fais-nous sentir ta présence parmi nous en ce midi. Oh Dieu, transforme-nous en une nouvelle vie en Jésus-Christ. Purifie la vie, non. En ce midi, nous demandons la joie. Que petit bon Dieu, pas jamais, on te joie dans le pays, c'est tristesse. Merci, tristesse, pour nous, Seigneur Jésus. Mettez la joie et nous déclarer en ce midi. Que petit bon Dieu, qu'on a crié, qui n'a pas donné, qui n'a pas pensé, nous déclarer en ce midi. Jésus, chasse, si je peux manger, on est dans la joie. Oh, quand vous petit bon n'a prié pour frère Jean, Jean-Franck Moreau, n'a prié pour famille Nérette et famille Veillard, n'a prié pour sœur Anani, Pamphile Eustache et ses enfants, n'a prié pour famille Eva Etienne, n'a prié pour la famille Wisnel Salmon, n'a prié pour la famille Daniel Louis, n'a prié pour la famille Surette Louis, n'a prié pour famille Saint-Ville, n'a prié pour famille Altema, n'a prié pour famille du pasteur Kerby Kotensky, n'a prié pour frère Wadler François et famille, n'a prié pour sœur Nirva et toute sa famille, n'a prié pour la famille Casimir qui a été frappée par le deuil. Mais heureusement, on dit dans Apocalypse 21, le verset 4, il y a un jour où sécher toute l'eau dans le genou et la mort ne sera plus. Ben, il faut mettre sa courage, force, persévérance, la famille Casimir, pour autant de fermes pour qu'on ait vraiment qui partit qui devance. Nous allons réel pour nous réjouir avec Jésus. N'a prié pour la sœur Manuela et famille. N'a prié pour sœur Violette Augusta Mar et sa famille. N'a prié pour monsieur et madame Madeus Ixen. Sœur Madeus pour opération pour le capable suivi. Et nous connaissons au nom de Jésus, le grand médecin par excellence, il a touché notre sœur Madeus. Il déjà joué une guérison. N'a prié pour la sœur Linda, Seigneur Jésus. N'a prié en ce moment pour madame Bossé-Jour Antoine, n'a prié pour sœur Thérèse, n'a prié pour toutes ses familles, les familles Antoine, Lambert, Étienne, Joseph, Germain, Bessime, Augustin, Pierre, Geffrard, François, toutes les familles que nous participons, nous voulons tout petit tout. Côté pasteur Benel Ablion, non, nous pas oublier en rien. En ce midi, mon petit tout qui vont dossier, qui vont débloquer, Seigneur Jésus. Un petit tour pour voler corbeau à la caille. Un petit tour pour bailler la dignité, pour bailler la patience, pour bailler la douceur. Oh Dieu, nous pas capables encore. Nous bouquons avec les problèmes de cette vie. De jour en jour, les hommes révélés au plus méchant. La terre est en désarroi, la terre est en péril. Mais Jésus est la seule solution. En Haïti, c'est une sécurité grande.
fini avec nous. Dans les grands pays, c'est guerre qui a fini avec nous. C'est la pandémie qui a fini avec nous. Oh Dieu, toi, le seul mathématicien par excellence, qui est solution à tous les problèmes. En ce midi, après les pères, secours, délivrance, mon petit tout en ce midi. Et nous, il m'a dit, je ne peux pas me Jésus en ce midi, c'est pour lever l'indignité, parce qu'on dit de la poussière retirer le pauvre, du fumier relever les vieux, pour les faire asseoir avec les grands. Tu voudras bien bénir tous les prédicateurs, tous les pasteurs, tous les laïcs qui sont en campagne d'évangélisation. Que ton Saint-Esprit les anime, que ta puissance soit sur eux, qu'ils parlent sous la dictée de ton Saint-Esprit, et que chaque visiteur qui vient t'entendre, leur cœur capable de frapper par cette parole, et pour nous dire comme à l'époque de Pierre et de Jean, hommes frères, que ferons-nous? Et le prédicateur va dire, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Oh Dieu, que la paix est capable de régner, que l'évangile est capable de prêcher. Ça qui sentit vous découragé, vous abattu en ce midi, vous sans secours, voyez cet esprit de la caillou pour faire mourir dans Jésus de l'espoir, dans Jésus de délivrance, dans Jésus de ton état perdu. Alors que de jour en jour, les hommes sont devenus de plus en plus méchants, de plus en plus criminels. Et ben nous force, courage, persévérance, nos foi solide. Si le péril augmente, augmente dans la foi. Allez, il y a des tracas, des persécutions, des tourments, des tentations, des tribulations qu'attendent nous. Rends-nous fermes, rends-nous vaillants, que nous puissions dire à l'instar de l'apôtre Paul, Dieu ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, au point que nous soyons plus que vainqueurs. Dans ce que nous allons, on est assurance en ce midi. La force, l'exaltation, nous presse l'ennemi. Vaincre en comptant.